Si vous nous rejoignez dès ce samedi soir pour clore la première journée du festival Jardin d'hiver, rencontre avec Timothée de Fombelle, qui est auteur de plusieurs romans dans lesquels vous racontez des histoires, parfois en un volume, parfois en deux volumes, aussi auteur de pièces de théâtre. Et si cette rencontre porte le titre Raconter l'esclavage, c'est en raison de ce livre Alma qui raconte une histoire de l'esclavage, mais qui est aussi une nouveauté pour vous. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, puisque ce n'est pas en un ni en deux tomes, mais c'est une trilogie que vous annoncez. Le second volume est prévu pour l'automne prochain. Lecture conseillée à partir de 11 ans et sans limite d'âge ensuite. Avec des illustrations de François Place, que vous retrouvez puisque vous avez déjà accompagné dans vos premiers romans. Dans Alma, Timothée de Fombelle, vous racontait principalement deux jeunes gens, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui gravitent, mais principalement deux jeunes gens qui ont 13 ans en 1786, Alma et Joseph. Alma part à la recherche de son frère sur une côte africaine et elle va continuer à le chercher en embarquant sur un navire clandestinement librement, navire qui va participer à de, du commerce transatlantique, c'est-à-dire les bateaux qui partent d'Europe, qui vont prendre des captifs en Afrique, qui vont devenir des esclaves, arriver sur le continent américain et puis faire le dernier morceau du triangle vers l'Europe en prenant d'autres marchandises. Vous la racontez, elle, mais aussi Joseph, qui lui part clandestinement également sur ce navire qui s'appelle la douce Amélie. Lui, et dessus depuis la France, depuis La Rochelle et puis Lisbonne où il est découvert la tête en bas accroché à une corde avec quand même une montre et quelques diamants parce que à cette histoire d'esclavage vous avez ajouté une histoire de pirate et une histoire de chasse au trésor. Vous avez écrit, Timothée de beaucoup d'histoires qui se passent dans des mondes imaginaires ou qui se passent dans des époques déjà passées plusieurs fois promené dans le cours du XXe siècle, mais ici c'est la fin du XVIIIe siècle, une histoire d'esclavage. Pourquoi est-ce aujourd'hui que vous avez choisi de vous atta attaquer et attacher à ce sujet Alors, c'est un sujet qui me traverse et me hante depuis tellement longtemps que ça a toujours été un projet. Mais ces, ces projets... Euh, éternel, qu'on a, qu a en tout cas de toute éternité en soi, et il ne se réalise pas toujours. Donc, à un moment, faut s'y mettre. Euh, euh, j'ai senti, genre, je répète, mon premier roman, il y a 15 ans, quand j'ai écrit Toby il y a déjà quand même des histoires de captifs, des histoires de... Des un histoires... tout petit personnage qui se baladaient dans la nature. Voilà, hein. exactement. Une petite humanité d'un millimètre et demi dans un arbre monde. Et euh, déjà, à ce moment-là, y a, y a, j'étais... Vraiment, vraiment euh, déjà habité par ce, ce, ce sujet-là, mais euh, je suis parti complètement dans l'imaginaire, même si c'est un imaginaire euh, euh, botaniquement euh, exact euh, puisque c'est un, un, un chêne, enfin un arbre euh, quelque part euh, dans le monde et. et et, et voilà, j'ai probablement eu besoin d'écrire ces quelques livres à chaque fois en repoussant Alma un peu plus loin. Alors pourquoi ce sujet Parce que je, depuis l'enfance, j'ai vécu un adolescent quelques années en Afrique, en, en Côte d'Ivoire, où je suivais ma famille, mes parents. Mon père était architecte et avait une mission là-bas de, de, de deux années. J'avais vécu au Maroc aussi une année avant. Et. et et j'ai découvert euh, en particulier euh, pendant des vacances de la petite saison des pluies là à l'automne, j'ai découvert euh, des forts, des forts euh, des forts hollandais, anglais, français qui sont sur toute la côte euh, dite côte de l'or, euh, la côte du Ghana. Et ça a été un choc pour moi immense de découvrir ces lieux et cette histoire. Donc, ce voyage dans un espace-temps euh, à 13 ans, comme par hasard. <laughs> l'âge de, vous, l de mes personnages et l'âge de l'autre côté du livre de pas mal de mes lecteurs. Donc il y a quand même ce croisement-là de, de, de moi, enfant à 13 ans, d'Alma, de, de Joseph, des lecteurs. Euh, et. Et, et ensuite, pourquoi, pourquoi aujourd'hui euh... oui, Parce que ça peut être écrasant, vous l'avez dit. Assez ouais. Donc ça, il y a une part biographique par rapport à là où vous avez vécu. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis des années, des voilà. années. Donc il faut quand même aussi pouvoir euh, surmonter la montagne qui est face à vous. Hein. Oui, c'est ça. Je pense que bon, là, il y a vraiment euh, un, tout à coup un petit moment d'inconscience qui fait qu'on qu s'y qu colle et qu'on s'y met. Euh, mais c'est un, un sujet. Euh, qui. C'est peut-être la première fois d'ailleurs, parce que je suis plutôt à partir à l'aventure, loin de notre monde actuel, des préoccupations de notre temps, en me disant. Voilà. Et puis finalement, tous, ces... tous les sujets du temps présent reviennent malgré tout, parce que je vis dedans et que j'écris avec ça, que ça coule dans mon encre, dans mon sang. Euh... Mais là, il y avait l'idée de porter une parole, quand même, une parole de de cette mémoire disparue de ces 12 15 millions de personnes qui ont été transportées de leur continent d'Afrique vers euh, l'Amérique euh, et qui n'ont laissé pratiquement aucune trace euh, au sens de témoignages d'écrits c'est très important ce que venait de dire Timothée Fombelle parce que vous l'expliquez, vous y revenez à plusieurs reprises, sans l'expliquer parce que c'est un, un roman, mais vous y revenez à plusieurs reprises sur la question de la trace et la question de la mémoire. Alma fait partie d'un peuple qui s'appelle Oko, qui est un peuple extrêmement recherché par ceux qui vont essayer d'attraper des hommes, des femmes et des enfants pour en faire des captifs puis des esclaves. Et ils sont un peu, la famille d'Alma, sont un peu les, les, les derniers des Oko. Et il y a cette question de la mémoire qui est transmise et même une. Une fois qu'elle se retrouve sur le, sur le navire et une femme lui raconte ta mémoire et ton grenier, elle te gardera vivante parce qu'il n'y a plus que cela. Quand à part les quelques forts que vous avez racontés ouais. il n'y a plus que cela finalement comme euh, possibilité de garder de la mémoire. Il n'y a pas de traces physiques, donc elle ouais. coule dans les veines, elle coule dans les ouais. esprits. Hein. Ouais. Oui, elle coule d'ailleurs beaucoup dans la littérature des Caraïbes. Moi, qui, qui me passionne la littérature de, de Haïti, la littérature, euh, voilà, dans le tome 2, il y aura une phrase de Césaire, en, 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 alors plutôt de la Martinique, en, en exergue. Et donc, il y a cette, heureusement, il y a plein de traces par les descendants de, de, cette, de cette mémoire. Mais il n'y a pas, et puis il y a des traces. De tous les esclavagistes. Ça, alors là, ça ne manque pas. C'est-à-dire, j'ai, euh, mais c'est extraordinaire, c'est totalement disponible. Depuis le pont supérieur, là, j'ai les, les livres de compte des, des, euh, des armateurs, j'ai les livres de bord des capitaines. Ça, je l'ai vraiment, j'ai tous les registres dans toutes les plantations et les habitations. On dit qu'un comptable note bien les choses voilà, et ne va voilà, pas disparaître voilà, fasse pas quelques éléments. éléments ouais. Exactement, exactement. Mais mais j'ai les jugements des procès j'ai tout ça tout ça on, on peut les avoir mais cette parole à part je pense à un un, un récit euh, très, très beau qui est paru d'ailleurs euh, dès, dès la fin du, du 18e de Equiano, un, un, un esclave qui a, qui, a raconté son, qui a raconté son histoire et qui l'a écrite en anglais. Euh, euh, voilà, ça c'est une trace, il y en a quatre ou cinq comme ça. Je ne parle pas de la mémoire des esclaves, je parle vraiment de la traite. La mémoire des esclaves, heureusement, heureusement, heureusement ou malheureusement, ça a duré tout le, tout le 19, enfin, toute la première moitié du 19e en tout cas aussi. Et et là, il y a commencé à voir, de la part des esclaves créoles, par exemple, qui est né sur les territoires des îles ou de l'Amérique, euh, il y a commencé à voir des, de, des, des, des récits d'esclaves. De, de, mais de, de, du récit depuis l'Afrique, c'est une parole qui. Et ce silence me bouleverse. Oui, parce qu'il y a une question. Alors, il me semble, sauf si j'ai mal lu, mais que le mot d'esclave ne doit pas apparaître dans votre livre. Non. Vous, ce sont des. Captifs. Oui, et ils deviennent ouais, d'ailleurs, ouais. ils viennent de multitudes de peuples ouais. de la côte africaine. On ne ouais. sait pas trop d'ailleurs ouais, ouais, où ouais. est-ce qu'on se trouve. Ouais. Euh, alors on va le savoir avec la descente du bateau euh, qui va passer au large de la fameuse île de Gorée euh, ouais, au ouais. Sénégal, mais qui va descendre encore plus au sud, voilà. encore plus au sud. On ne sait pas trop où on est. Ouais. Et finalement, ils deviennent une entité euh, identifiée qui s'identifie telle qu'elle une fois qu'ils sont sur le bateau parce qu'ils ouais. se rendent compte qu'ils sont tous noirs, contrairement ouais. à la voilà. plupart de l'équipage, euh, oui. sauf un notamment ouais, le voilà, cuisinier, cuisinier. Et noir euh, aussi. C'est là. Finalement, il se trouve avoir une identité à s'interroger sur qui oui, il sont. Oui, tout à fait. C'est c'est vrai que c'est c'est quelque chose dans 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 l'histoire de, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Il y a ce moment où où, où la captivité euh, les réunit, alors qu'ils viennent de peuples et de langues. C'est il n'y a pas de domaine du d'aussi grande richesse nulle part au monde, du point, point de vue linguistique et culturel, que l'Afrique euh, à ce moment-là et toujours aujourd'hui. C'est absolument extraordinaire. Cette richesse, c'est des peuples euh, aussi différents qu'on qu qu l'est euh, de, des Polonais euh, ou des Espagnols. Euh, et, 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 et donc, il y, y a quelque chose dans ce dans cette fabrication des esclaves, c'est vraiment ça ce qui se passe, c'est-à-dire c'est le travail qui va en faire des esclaves. Dans le tome 2, on verra, un peu de teasing quand même, on verra justement euh, cette, cette, comment le travail, et pas n'importe quel travail, le travail inhumain, le travail dont on meurt dans les 3 ans pour, euh, pour un tiers ou un quart des, 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 des gens qui arrivent, euh, ce travail-là euh, euh, va en faire des esclaves, mais avant c'est simplement des captifs avec aussi toute l'incertitude sur leur ce qui est vertigineux, c'est-à-dire vraiment quand on est arraché à son village au cœur de l'Afrique et qu'on est emmené comme ça et qu'on arrive sur la mer qu'on n'a jamais vue sur un bateau au milieu de ces gens blancs fantomatiques, qui il y, y a une incertitude qui est peut-être que je sens dans mon ventre qui me noue, noue le ventre en, en écrivant Incertitude pour qui Timothée de Fombelle, parce que c'est le cas pour Alma, 13 ans. On, on viendra tout à l'heure sur euh, là où elle vit et où elle s'est euh, échappée, euh, entre guillemets, comme son frère, comme son père et puis ensuite fait, comme le reste de sa famille. Mais euh, ce que vous mettez aussi en scène, c'est la pluralité des peuples sur cette côte africaine oui. et euh, certains euh, bah, savent ce qui oui, va arriver puisque fait. il y a ceux qui sont chassés oui. et il y a ceux qui chassent. Tout à fait. Ça c'est vraiment quelque chose. Euh qui est qui est, qui est très très fort à, à découvrir c'est tout le fonctionnement de cette industrie alors pour qu'il y ait industrie il faut qu'il y ait, qu y ait euh, aspiration mouvement mouvement qui met qui met en, en route ceci ce, 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 ce système et c'est quoi c'est le besoin d'être humain pour travailler dans les plantations donc ne, ne nions pas que tout tout cela n'existe que par la volonté des armateurs, des planteurs. Mais ensuite, il y a toutes les complicités sur la côte, évidemment, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont que simplement un, un blanc ne, ne va pas prendre le risque de s'aventurer dans l'arrière-pays. Euh, il a peur pour sa peau et euh, il préfère de loin euh, euh, mettre, euh, mettre au travail des chasseurs euh, sur toute la côte et des commerçants. Et là, ça désorganise toute la société de cette côte-là, qui devient, euh, qui, qui commence à se faire euh, la guerre, qui commence et, et donc il y a le, les, les captifs euh, euh, qui sont simplement des, des, des prisonniers de, de droit commun. Euh, hop, euh, euh, il y a les prises de guerre euh, dans, dans, dans des attaques, il y a les règlements de compte euh, tout simple, et puis il y a même des, il y a des razzias aussi euh, dans, ces, dans ces villages. Donc c'est vrai que je voulais absolument D'ailleurs, le ne pas trop, mais le père d'Alma a, a un passé euh, là, dans, dans cette partie-là, c'est-à-dire tous tout ce, ce, ces, ces, ces commerçants de la côte et ces petits rois de la côte. C'est le cas aussi du côté européen parce que à un moment le, le navire La Douce Amélie s'arrête sur un fort qui appartient à Hollandais oui. et là c'est un peu un drame pour eux. Alors c'est bénéfique pour ceux qui vivent dans les, les environs, mais c'est que c'est une région qui est en puits depuis trois ans, ce qui fait que voilà. le gouverneur hollandais ah oui. n'a personne, quasiment personne à Exactement. faire monter bateau. En fait, c'était, c'était, il y a, y a un, un rapport des, des besoins et de l'offre qui est quelque chose qui je fais en deux trois pages à un moment une sorte d'analyse de, de, ce, de ce marché là comment, comment d'abord ça ça, ça ça irrigue toute l'Europe de ce c'est pas du tout euh, Nantes euh, Bordeaux et euh, Bristol et euh, quelques et Liverpool c'est beaucoup plus large que ça c'est-à-dire que le, le, les, 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 les céréales qui sont embarquées sur le bateau pour faire les biscuits elles viennent de on, ça remonte le long des fleuves ça et cet argent qui vient de la traite arrose mais pratiquement toute, toute l'Europe. Et, et, sur, et sur la côte africaine, c'est la même chose. Il y a cette, cette organisation qui est, qui est vraiment passionnante à, à, à observer. Et pourquoi Pour du café, du sucre, euh, pour du cacao, pour des produits absolument inutiles jusque-là, qui n'ont jamais été utilisés par l'humanité et qui sont utilisés par une frange. Au début, très faible, le sucre devient très vite invasif dans la culture parce qu'il est addictif. Euh, et donc, dès le 19e, tout le monde met du sucre dans son, dans, dans son café ou dans son thé. Mais ce qui est, ça, ça, ça c'est d'ailleurs penser que tout ce système qui touche des, 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 des millions et des millions de personnes, euh, c'est pour des biens qui ont été presque inventés pour le commerce. Alors, vous l'incarnez, ça euh, parce que c'est un roman, donc il y a des personnages qui l'incarnent. Il y a Alma et sa famille, et j'aurais que vous nous disiez dans où est-ce qu'ils vivent euh, Parce que leur euh, endroit, leur géographie n'est pas nommée. En tous les cas, nous euh, qui ne connaissons pas euh, cette partie de l'Afrique, on ne sait pas non. où on se trouve. Vous avez choisi de le situer en 1786, c'est-à-dire que euh, le, ce commerce des esclaves, il a déjà euh, oui, oui, quelques a déjà, siècles euh, ouais, quelques... d'expérience, ouais, donc euh, ouais, ouais, ouais. il faut rentrer plus profondément ouais, ouais. dans les terres africaines. Voilà. C'est pour ça aussi que vous avez choisi cette date-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont allés se réfugier beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément dans un endroit qu'ils ont isolé du reste du monde. Oui. Oui, il je voulais ça, je voulais prendre mais je le fais presque pour tous mes romans, je les commence Neverland, il y, ça, aussi, voilà, il y a ça aussi, le roman dans lequel vous oui. vous racontez voilà. vous racontez votre enfance, il est question de cet endroit privilégié, là en oui. l'occurrence, c'est l'enfance oui. avec la lisière qui relie le monde adulte. C'est ça. Alors il y a cette vallée des origines, c'est le seul endroit imaginaire dans ce dans ce livre en fait, de même que le peuple local est le seul peuple imaginaire dans ce livre. J'avais besoin, et pour moi c'était le plus grand hommage que je pouvais faire à cette mémoire bien réelle, c'était de, de, de m'autoriser l'imaginaire euh, euh, et, et de sortir du documentaire, du docufiction, et d'être complètement dans, dans, le, dans le romanesque. Et, et donc j'ai créé, et, et je l'ai résumé à cette vallée des origines, à ce paradis perdu, qui est le lieu de l'enfance d'Alma. Elle grandit là. Avec ses deux frères, ses parents, dans cette vallée protégée de tout. Euh, on ne lui a jamais parlé du reste du monde. On comprendra pourquoi cette, cette forteresse devient presque une, devient presque une, une, une prison d'une certaine manière, mais une prison bénie, une prison, une prison de tendresse. Euh, mais elle n'est pas viable, elle n'est pas viable à long terme. Et il y a une faille tout à coup, d'ailleurs, c'est. En fait, dès la première ligne, la faille, on pourrait la, on pourrait la deviner. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec deux enfants couchés dans son ombre. Et ce zèbre sans rayures, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un zèbre sans rayures, ça n'existe pas. Et donc ce n'est pas un zèbre. Et donc il y a quelque chose, quelqu'un, qui a réussi à entrer. Dans, dans ce paradis perdu et, 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 qui, et qui crée la, la blessure. Un animal qui s'appelle brouillard aussi, peut-être peu de manière de jouer euh, oui. sur, les, sur les frontières. Et c'est intéressant oui. aussi, de là où il vient. Il vient, il euh, y a un cours d'eau dans cette, dans cette vallée. Oui. Euh, les parents, volontairement, n'ont pas ils ne viennent pas de cette vallée, c'est ouais. eux qui sont réfugiés dans cette ouais, vallée. Ils savent ce qui se passe à l'extérieur. Ils n'ont volontairement pas appris à nager à leurs enfants. Ils ont brûlé la pirogue. Ouais. L'eau qui est source de toute vie dans votre roman ouais. et dans cette ah histoire, oui. ouais. elle est celle qui amène au danger. Elle est celle qui va les faire s'enfuir de la vallée. Elle est celle qui va les faire rejoindre l'océan. Elle est celle qui va les emmener des captifs en esclavage. C'est exactement l'inverse de l'eau source de vie. C'est incroyable parce que, enfin, moi. Je... Heureusement, je ne me fais pas un dossier sur l'eau dans mon livre quand j'écris, mais ce que vous dites, je le reconnais, je reconnais ce, ce motif de l'eau. Je, je n'avais même pas fait le lien entre cette eau, cette première eau, cette première traversée pour quitter donc la eau la saison des, des pluies tout à coup il y a ce, ce gouffre là qui se remplit et qui devient un passage et, et j'avais pas réalisé que c'était sa, sa, première, sa première traversée c'est à la fois l'évasion et la, et la quête et c'est vrai que ce motif de l'eau est absolument obsessionnel et d'ailleurs des euh, ce qui là, les arrête dans cette première scène là avec ce zèbre sans rayures, ces deux enfants qui jouent dans l'herbe, c'est la, la première goutte de pluie qu'ils essayent d'attraper avec la langue. Et, euh, et, et là, euh, c'est le début de la fin, euh, mais le début du début aussi parce que euh, en tant qu'auteur, j'ai besoin en tant qu'auteur. Il faut que quelque chose cloche. C'est ça qui est terrible. Dans, dans... Comme j'aimerais les laisser dans ce, dans, dans, dans ce cocon de, de, de vie là, mais mon devoir d'auteur, de raconteur d'histoire, c'est qu'à qu un moment ça se, passe, ça se passe mal. Je vous propose, parce que vous avez accepté de nous lire un, un petit extrait de votre roman Alma, pour qu'on entende, bah, qu'on soit en même temps à côté d'eux, et puis qu'on entende la, la langue dans laquelle vous les racontez. C'est assez près du début, justement, euh, un moment où euh, Alma, euh, euh, Alma ne va pas bien. Euh, elle, euh, elle pense que son frère est parti. Le chapitre s'appelle Forteresse sauvage. Sa mère l'a ramassée entre les racines du figuier. Ma chérie, Alma, Lilim. Elle l'appelle Lilim. Nao appelle chacun de ses enfants Lilim quand elle est seule avec lui. C'est le mot le plus doux qu'elle connaisse. Son grand fils Soum est arrivé. Il a aidé à porter Alma dans la maison. Il est resté un peu à sourire à côté d'elle, endormi. De toute sa vie, Soum n'a jamais prononcé un mot, mais la collection de ses sourires est infinie. Alma dort depuis des heures sous le toit d'herbe sèche. Soum est parti en courant retrouver son père. Même si le jour est très avancé, il y a trois lampes autour d'elle l'odeur de l'huile qui brûle sur les mèches. Où est l'âme murmure Alma quand elle ouvre les yeux. Nao se penche vers sa fille. Ton père et ton frère sont partis le chercher. Il doit courir la prairie. Ils vont le ramener. L'âme Ne t'inquiète pour rien, dit Nao de sa voix grave. Il est comme les deux petits singes de l'arbre de la maison. On les croit toujours disparus jusqu'à l'heure du pain sur le feu. Nao sourit en disant cela. Elle se remet à écraser la farine et l'eau dans le bol en bois, mais elle a son nuage sombre sur le front, l'ombre qu'Alma reconnaît parfois. D'ailleurs, Nao parle beaucoup sans s'arrêter, ce qui ne lui arrive jamais. Attends un peu l'odeur des galettes dans la cendre, et, et tu le verras qui tombera des branches ou sortira d'un trou. Est-ce qu'il pleut demande soudain Alma. Non, je crois que c'est fini pour longtemps. La terre est pleine et il n'y a plus de place pour la pluie. Alma remue la tête, son regard s'affole. Je vais me lever. Repose-toi, Lilim. Attends un peu ici. Alma se redresse douloureusement. C'est fini. J'ai eu froid et chaud, mais c'est fini. Regarde. Je vais bien. Je vais les aider à trouver l'âme. Naou observe sa fille qui est déjà debout. Alma saute d'un pied sur l'autre pour prouver que son corps tient ensemble. Mais on voit le tremblement de ses lèvres et les gouttes de sueur froide sur son front. Regarde, c'est fini, je vais bien. Nao ne cherche pas à l'arrêter. Elle connaît l'entêtement de sa fille. Chez Léoko, le mot Alma signifie libre. Mais ce genre de liberté n'existe dans aucune autre langue. C'est un mot rare, une liberté imprenable, une liberté qui remplit l'être pour toujours. Le père d'Alma raconte que chez lui, ce nom pourrait se dire marqué au fer rouge de la liberté. Alma ne comprend rien à cette histoire de marque et de fer. Dans la langue de sa mère, la langue des Ocos, il n'y a pas de fer. Il n'y a de mots que pour ce qui est important, pour dire la couleur de chaque heure de la nuit, ou le gloussement qu'on fait en dormant quand une herbe vient nous toucher l'oreille. Peut-être qu'Alma et sa liberté ont raison, pense Nao en la regardant. Oui, elle sera mieux à semer sa fièvre dans les collines plutôt qu'à attendre ici. Elle la suit des yeux dans la maison. Alma prend son arc et ses flèches qu'on a rangées sur le côté. Elle marche d'abord vers la porte, mais hésite un instant et revient sur ses pas. Elle plonge la tête au creux du cou de sa mère, juste au-dessus de l'épaule. Elles se tiennent serrées l'une contre l'autre. Le geste est le même que d'habitude, mais la voix d'Alma s'étrangle. Maman. Reviens vite, Lilim. Nao sent sur sa peau les yeux bouillants de sa fille. Reviens vite, ou bien l'âme aura tout mangé. Alma s'attarde encore un peu dans ce repli, où elle aime se blottir depuis qu'elle est toute petite. Maman. Elle reste longtemps ainsi, sans se prendre les mains, parce que l'une tient son arc, et l'autre a les doigts pleins de farine de mille. Puis, elles se séparent. Plus tard, en y repensant chacune si souvent, elles ne sauront dire combien de temps cela a duré. Une seconde ou une vie. Merci beaucoup pour cet extrait. Je vous l'ai proposé notamment parce qu'il y a ce paradoxe avec la signification du mot Alma, donc du nom que vous avez donné à votre héroïne de 13 ans, cette liberté. Ça veut dire quoi, être libre, quand on n'a pas d'autre référence que ce, ce bout de vallée et sa famille hein. Oui, euh, elle, euh, ce nom-là, ce, nom ce mot-là, elle va le comprendre plus tard. Et, et ce mot-là, liberté, a été la clé dans ma manière de raconter. J'ai tourné pendant des années, peut-être une réponse à votre première question de tout à l'heure. Et de savoir pourquoi, aujourd'hui, si vous avez pourquoi, écrit ce livre. Pourquoi j'ai tant attendu C'est que, que j'avais toujours le problème de mon héroïne, ballottée par la vie, objet, euh, que secouée par les éléments, par les, les, les décisions des autres. Et, et je, et, et je n'avais pas d'héroïne. Et ça ne tenait pas, et ça ne marchait pas. Et tout à coup, j'ai eu la certitude dans, 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 dans mon corps vraiment qu'il fallait qu'elle soit libre, qu'il fallait qu'elle traverse tout ça. Dans la liberté, et ça, ça a été, ça a été la révélation. Et en fait, en la faisant beaucoup plus tard, ramer, euh, puisqu'on est en Bretagne, il faut utiliser les vrais mots, nager, parce que c'était ça, c'est ça le vrai mot, nager avec sa rame, on va dire, euh, vers, vers, euh, vers le bateau, monter d'elle-même, s'installer dans ce bateau rempli de, de, de captifs, mais en toute liberté. Et ne jamais être marqué au fer. Tout à coup là, j'avais une héroïne. Et c'est petit à petit que j'ai découvert, à côté d'elle, mon héroïne, que tous les autres étaient des héros. C'est-à-dire que vraiment, en me plongeant dans justement ces archives racontées depuis en haut, le pont d'en haut, mais qui parlent quand même, si on si on si, si on cherche bien. On trouve le, le récit de l'héroïsme, euh, de la solidarité, euh, de tout ce qui se passe dans, dans, dans la cale et de tout ce qui se passera dans ces habitations euh, qui étaient des, des, des vrais lieux de, de, de concentration et de travail forcé. Pourquoi vous avez voulu absolument que ce soit une héroïne Alors là. Parce que je voulais pas être tout seul avec mon histoire. Parce que moi, je voulais pas un héros, embarquer mais une héroïne. avec moi à ah, une héroïne. Oui, une héroïne. Ah, ouais. coup, un héros. Alors <laughs> pourquoi une héroïne en tant que héros ou qu'héroïne C'est vraiment parce que je voulais je voulais je je, je voulais raconter. Une histoire, je voulais pas emporter avec moi que les gens déjà convaincus et passionnés par ces histoires-là. Et oui, en plus, elle, elle a l'avantage, enfin, si je puis dire technique, c'est que comme elle ne connaît pas du tout ce monde-là, on est finalement à sa hauteur et elle va tout découvrir voilà, en même voilà. temps que le lecteur. Voilà. Donc pour, pourquoi l'héroïsme pour ça et ensuite pourquoi une héroïne Alors là, ça, je, je, je l'ai. J'ai pourtant eu plutôt des héros dans mes personnages principaux. J'espère vraiment. Je, je... Les lecteurs, euh, pour l'instant, me le disent plutôt des personnages féminins qui ne sont pas qui sont pas n'importe qui, qui sont vraiment pour moi, d'ailleurs, qui m'intimident et qui me bouleversent beaucoup plus que mes personnages masculins, Toby, Van Gogh. Si je parle d'Elisha à côté de Toby, d'Ethel, de, 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 ce c'est même pas Ethel à côté de Van Gogh, c'est plutôt Van Gogh à côté d'Ethel. Euh, je, je, voilà, les personnages de chanteuse, il y a comme des femmes. Voilà, sont très, très importants. Mais Alma... Euh, là, là, je, je voulais, et, et c'est intéressant parce que ce matin, enfin là, tout à l'heure, dans, 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 dans le train en venant à Rennes, je corrigeais parce que étais dans, je suis dans le travail de correction et de travail de, sur le tome 2, et, et je voyais, et, et, et tout à coup, à un moment, euh, euh, on l'exclut à la fois comme. Euh, comme, euh, comme euh, jeune fille noire et comme jeune fille tout court et tout à coup je voyais que là j'étais j'étais dans dans, dans, dans c'est-à-dire qu'elle est elle est elle est chassée d'un lieu où, où les femmes sont interdites et, et je voulais vraiment, je voulais vraiment cette altérité complète dans ce personnage qui est noir alors que je suis blanc, qui a 13 ans alors que j'en ai 47, euh, qui euh, qui est une fille alors que je suis un garçon. Euh, je voulais, voilà, vraiment, euh, 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 et, et ça me passionne de raconter cette histoire de son point de vue. C'est c'est quelque chose qui qui me qui aussi m'oblige à, à être imparable, c'est-à-dire je, 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 veux, je veux que ce soit une, une belle héroïne. Alors il n'y a pas qu'elle, parce qu'il mmh. y a au moins trois histoires qui se croisent. Ouais, ouais. Il y a celle de l'armateur et de sa fille, ouais. la douce ouais. Amélie, parce qu'il a donné son nom, la douce Amélie, à ce bateau. Puis précédemment, on apprend qu'il a donné un, un autre nom de bateau, le nom de sa femme, la oui, rose voilà, pourpre. Ouais. Mais il y a ce personnage de Joseph que ouais. vous racontez, que ouais. enfin, j'ai cité en tous les cas tout à l'heure, en disant que Alma était l'histoire de deux jeunes gens de 13 ans en 1786. Et avec Joseph, c'est un autre point de vue que vous racontez. C'est celui justement sur le pont d'en haut, ouais. ou celui-ci qui circule un peu partout. Est-ce que vous pourriez nous vous le présenter, ce personnage qui arrive aussi par effraction ouais, dans l'histoire, ouais. par effraction ouais. sur le navire. Il n'y est pas convié. Ouais. Enfin, À l'époque, on ne conviait non, pas tout non, le monde non, parce que non, des fois, on, on allait chercher pour régler des dettes de jeu. Ce qui arrive voilà, à, voilà, à un autre un de un vos personnages, personnage, ouais. euh, bah on leur dit bah, on paye les dettes de jeu. Et puis en échange, tu ouais. vas monter sur le bateau euh, ouais. pour être un marin, un matelot parmi d'autres. Sauf que lui, il est là avec un autre but. Il a un que but celui -ci. Alors, je vais peut-être pas trop dire son but, mais disons qu'il y a quand même une quête. Vous posez la question comme ça, je vous laisse la charge d'aller que vous le souhaitez. Euh, il, il y a une quête, il y a une histoire de piraterie quand même derrière, derrière tout ça. Euh, est il aventure est, dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça. Il est, il, est, il, est, il est en effet clandestin sur ce bateau et il est là pour toute autre chose. Et sincèrement, le, la question de qu'est-ce qu'on va transporter dans ce bateau, euh, à part ce qu'il cherche euh, la, la marchandise qui sera là, euh, que, qui est censé transporter ce bateau, ça, il s'en fiche complètement. Et, euh, et pour moi, il est peut-être, et ça, c'est plutôt en fermant euh, le, le premier tome, l'écriture du premier tome, que je me suis rendu compte qu'il était pas mal mon lecteur. C'est-à-dire, il est ce lecteur qui est, qui est pris au milieu de l'aventure, comme ça, qui est jeté là, qui cherche surtout à lire un bon livre. Il a 13 ans. Il n'est pas passionné d'histoire. Il est là et il arrive sur un bateau à la recherche d'un trésor et il va découvrir autre chose. Et il va découvrir autre chose. Et et, et ça c'est peut-être cette particularité de cette littérature dite pour la jeunesse. Je regarde, c'est même ah si c'est quand même écrit sur Galimard la Galimard jeunesse, sur la, est la tranche, est quand même écrit sur le dos du livre, pardon, il y a écrit Galimard jeunesse. Mais à vrai dire, j'espère que je raconte pour tout le monde les histoires, mais je ne veux pas laisser sur le côté les jeunes lecteurs qui sont mes lecteurs préférés, euh, parce qu'ils sont touchés pour toujours par ce qu'ils lisent et profondément, parce que les livres qui m'ont marqué le plus, je les ai lus entre 10 et 15 ans, et c'est le moment où je les le plus lu, d'ailleurs. Donc euh, voilà, je pense que Joseph est, est, est une image un peu de ce personnage qui va être tout à coup, qui va prendre conscience de ce qui se passe là perd pas le nord malgré tout enfin en l'occurrence c'est pas le nord. sacré manipulateur parce qu'on va ah oui, comme... oui, oui. Faut comment on oui, comment tout sûr. un tout petit peu sur cette ouais. cette chasse au, au trésor il est celui qui a un indice ouais. permettant euh, de retrouver le trésor d'un capitaine qui s'appellerait euh, luc de l'erne et qui ouais. a l'évocation du nom d'ailleurs effrayé, le capitaine gardel qui à voilà, voilà. la tête de la, la douce euh, amélie et lui il va réussir finalement à capter un peu la confiance de ce euh, capitaine gardel et à distiller les indices à son rythme et pas au rythme que aimerait euh, Gardel exactement il veut en fait changer légèrement la trajectoire de ce navire ce fameux triangle là il veut lui faire faire un petit détour euh, dans pour euh, pour euh, pour justement autour de cette cette histoire de, de, de trésor et il manipule complètement euh, il est, est à ça il est il est clandestin mais lui aussi il est maître de son destin et ce qui ce qui est un petit caillou dans l'engrenage c'est l'apparition d'Alma c'est l'apparition d'Alma sinon euh, tout pourrait presque bien se, se, se passer mais là il y a le choc de la de la rencontre donc il y a Joseph et c'est vrai qu'il y a aussi euh, Amélie ce personnage de la fille de l'armateur qui est un personnage euh, euh... Plus discrète encore dans l'album, dans, album, dans voilà. le livre, pardon. il apparaît Tout à, fait. Moins, Tout à fait. Apparaît moins pour l'instant, mais voilà, euh, voilà, avec voilà. elle, on sait, on connaît aussi euh, euh, un autre secret qui ouais. entoure ce bateau. Voilà, un autre secret qui est la. la... Qui est la la, la, vraie cargaison. la voilà la vraie cargaison qui est dans ce, ce bateau et et on a dans cette personnalité de d'Amélie donc on a donné son nom à ce navire je sais pas si vous imaginez ce que c'est le niveau d'inconscience qu'il faut pour donner un instrument de torture un navire négrier c'est vraiment ça un le nom de ce, de l'être aimé de la fille euh, cet homme il a perdu sa, sa, sa femme femme il donne le nom le nom de sa fille chérie la douce Amélie à ce à ce navire et elle, a la, elle est c'est une c'est une cartésienne c'est une, une fille et petite fille de d'armateur et elle est extrêmement extrêmement euh, pragmatique et, et, et là aussi comment euh, faire euh, est-ce qu'elle va ouvrir les yeux à, à un moment sur ce qui se passe ben c'est pas sûr c'est pas sûr ce qu'elle est loin Évidemment. Revenons quand même sur le personnage de Joseph Timothée-Sombel, parce que vous avez dit que finalement il ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour les captifs, et puis ça ne l'intéresse pas. Mais c'est aussi quelque chose qu'on découvre dans votre roman, c'est que le navire, il n'est pas équipé pour ça. Il euh, y a aussi encore un... Il y a plein d'histoires. Ouais. Il y a aussi l'histoire un, autour d'un charpentier qui arrive oui, oui, un peu au dernier moment sur le navire, oui, sans oui. Oui, à son prédécesseur et son aide s'étant noyé juste voilà. avant. Donc le capitaine se pose aussi des questions voilà. sur ce qui s'est produit. Mais ce charpentier il va être extrêmement important, d'abord parce ouais. que sur les navires de cette époque-là, c'était peut-être l'un des postes ouais. les plus essentiels, mais aussi parce qu'il va devoir aménager le navire pour ouais. transporter jusqu'à 500 esclaves. Et le capitaine, il poussera pour en mettre jusqu'à 500. 50, expliquez-nous ouais. comment est-ce qu'on part dans un commerce comme ceci sans être équipé pour euh, Alors, euh... enfermer des gens. Dans ouais, des espaces vrai. réduits. Alors on a, on a euh, du stock de bois, pas toujours tout quand même, on a, mais, on, mais euh, on se planque un peu parce que on va, on va quand même faire le premier trajet qui passe euh, devant la côte de, 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 de l'Afrique, du Maroc par exemple, où il euh, y, y a de la piraterie, où y a de, et, les, et les navires évidemment, les navires de, de commerce négriers sont bien bien repérés euh, de, parce que euh, on sait qu'ils partent avec énormément énormément de marchandises pour cette grande chaîne de commerce qu'ils vont faire avec l'Afrique d'abord puis et donc ils sont très pleins donc c'est du maquillage hein. au début il y a il y a beaucoup d'histoires de maquillage dans, dans ces dans ces bateaux euh, donc on le transforme on crée d'abord euh, une partie très importante qui est la barricade euh, le le, le, le barricado entre la, la, à peu près euh, au milieu du 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 mat, du, du, mat central du, du du navire là euh, vous, vous, le grand mât, il y a cette barrière qui permet de, de séparer tous les hommes captifs qui seront à l'avant euh, de l'équipage et des femmes qui peuvent être à l'arrière. Donc il y a cette séparation hérissée de pointes avec deux petites portes. C'est une forteresse, hein, c'est une prison flottante. Et puis il y a des transformations à l'intérieur puisque euh, les esclaves, euh, si on doit en mettre 550, euh, euh, chacun, euh, doivent, ils doivent être... 3 par mètre carré, ce qui est inimaginable pour vivre des mois et des mois, et parfois six mois, parce que le, le navire cabote le long, le long de la côte et, et se remplit petit à petit. Et donc c'est un, une transformation gigantesque, on transforme en prison, ce, et en particulier on crée une sorte d'échafaud, c'est une sorte de, 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 voilà, de plateforme à 70 cm, puisqu'il y a 1 mètre 40 dans ce pont inférieur, à 70 cm, qui permet de coucher. Deux rangées d'esclaves. C'est d'ailleurs le dessin de, de, de ce rangement des esclaves qui va provoquer, et on le verra plus tard dans, dans les volumes suivants, euh, les débuts euh, des combats de, de l'abolition. Effectivement, David, ils sont très serrés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas. Euh, C'est ces même pas. Ces personnes, ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas non plus être allongés euh, non, sur le dos non, ou sur non, le ventre. Ils sont non, sur le non, côté, ils sur ils le relaient, flanc. Ils se relaient. Ils sont sur le flanc, rangés comme des petites cuillères. Euh, et ils sont souvent, pour les hommes, enchaînés deux par deux, avec. Pas, vous pouvez imaginer les questions d'hygiène, les questions de euh, comment euh, faire ses euh, besoins. Dans, moi, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai pensé et essayé de rendre. À hauteur, alors, en essayant de le faire euh, à, à hauteur d'enfants de, de, aussi, c'est-à-dire avec la possibilité aussi de. de voilà, mon, mon personnage poursuit vivre, il voit ce qu'il qu veut voir. Mais euh, je, je voulais raconter la réalité de cet enfer qui, était voilà, qui faisait périr euh, au moins 10-15% euh, de, des esclaves pendant la traversée. Donc. Euh, vous dites sont terribles, vous l'avez dit euh, au niveau de la, la géographie, mais vous mettez aussi en scène un moment le capitaine Gardel qui dit que pour avancer vite, parce que c'est quand même ouais. malgré tout l'un des jeux, il faut faire preuve d'inhumanité. Oui, c'est son. C'est pensé c même. Ouais, oui, c'est ah ben complètement. C'est C'est pour ça que euh, cette idée industrielle et on le retrouvera dans dans les dans, dans les plantations de coton, les plantations de sucre. C'est stupéfiant. C'est la c'est la première révolution industrielle. C'est l'organisation. L'organisation du travail dans les plantations de, de Cannes, par exemple, sur, à, beaucoup à Saint-Domingue, qui était le, le lieu du sucre, c'est une organisation industrielle avant. Euh, voilà, et qui est exactement sur ce qui va se passer dans la révolution industrielle de, du siècle suivant. Il y a beaucoup de monde et des tâches très compartimentées. Il y a un volume de travail très volume important. Un volume de travail, des, des ateliers, cadence. une cadence extrêmement. Et un enchaînement, des organisations par, de, par, enfin, par carreau euh, de, pour que pendant 8 ou 9 mois de l'année, on puisse avoir euh, ce qu'ils appellent la roulaison, là, le, le ramassage, la coupe de la canne, la fabrication du sucre. Euh, C'est euh, euh, incroyable. Incroyable. Et, et, mais le plus incroyable, c'est que là-dedans, il y a une erreur. Une erreur, c'est de, de, de faire mourir les esclaves sous, de faim. Et, de, et, de, et à la tâche, euh, c'est une erreur, euh, c'est une erreur, euh, je dirais industrielle vraiment, et qui va conduire euh, les, les révoltes qui, qui, vont, qui vont exister, parce que c'est intenable et c'est vraiment euh, détruire la force de travail. Je reviens un peu en arrière, vous avez dit effectivement que le navire faisait du cabotage sur la côte mmh. africaine, c'est-à-dire qu'il il va de de, côte en, enfin de port en port, ou voilà. pas des ports, mais en tout cas ouais. il s'arrête très régulièrement près de la, la côte et puis il va voir des Anglais, il va voir des Français, il va voir des Hollandais. C'est ça aussi qui vous a intéressé en cette époque, fin du 18e, c'est que ça peut être au niveau de l'Europe des États ouais. qui sont en conflit et à des formes ouais. de coopération ah, oui, oui. et du côté européen et du côté aussi africain, parce que des peuples qui sont, euh, font la guerre finalement, coopèrent ouais. entre eux pour ce commerce-là. Tout à fait. Euh, c'est vrai. Que je, je réalise que vous, je sais pas les, les accords de deux peuples très, par exemple, Ashanti, euh, un peu plus à l'intérieur des terres, et les Fanti de, de la côte de l'or euh, me font penser au rapport entre les Anglais et les Espagnols euh, dans la suite d'Allemagne. On sera pas mal en, en Louisiane euh, avec ces, ces guerres euh, très très violentes. Et c'est vrai que c'est un, un puzzle. Euh, absolument incroyable, avec une concurrence folle entre, entre les pays, avec ces forts qui, qui passent de main en main, un fort hollandais va devenir anglais, il va devenir espagnol. Euh, et là-dedans, alors les Anglais ont une petite avance, euh, sont vraiment, mais les Français, c'est énorme, en particulier pour le... le Ensuite, le, le, le travail du sucre et le commerce du sucre, les Français et, et la partie française de Saint-Domingue, de Haïti, euh, aujourd'hui, euh, est vraiment l'endroit le, 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 où le plus de sucre est, est fabriqué dans, dans le monde. C'est effectivement là où l'armateur veut voilà, là espérer luiise. faire refaire sa fortune. Exactement, exactement. Il y a des petits problèmes à, à, à ce niveau-là. C'est très complexe finalement ce que vous avez dit Timothée Sombelle, parce que du coup on voit bien qu'il y a plein d'enjeux, il y a plein de euh, réalités différentes. Est-ce que ce fut un des défis au niveau de l'écriture outre d'incarner ces personnages-là, de rendre tout cela extrêmement fluide, enfin d'en faire une matière romanesque ah, voilà. et fluide Alors je suis content parce que effectivement c'est des sujets qui me passionnent tellement que j'en oublie de dire que je suis avant tout un auteur et un raconteur d'histoire et un conteur de coup pour vraiment réduire euh, aller au cœur de, de cette expression de raconteur d'histoire c'est vraiment ça qui m'intéresse et donc jamais je ne, je, je, je ne veux faire démonstration de quoi que ce soit. Je suis au plus près de mes personnages, du corps de mes personnages, de, leur, de, de, de ce qu'ils ont dans, dans le cœur, dans, dans, dans la tête, de ce qu'ils ressentent. Et, 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 et je veux toujours que quand... Quand je dois expliquer ce qui se passe autour d'eux, ce soit de la manière la plus indolore, je veux dire, pour le lecteur. De la... Je ne veux absolument pas faire un exposé euh, euh, de, 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 je sais pas, la pas quoi, de Wikipédia euh, sur, euh, sur, la, sur la traite. Je veux vraiment qu'on rentre dans, dans... Et tout simplement parce qu'il y a quelque chose aussi dont on a parlé, c'est... On n'a pas parlé vraiment, c'est ensuite le moment de l'écriture qui est le moment le plus important pour moi, qui est, qui est simplement la, la fabrique euh, poétique de... Du, du récit. Ah c'est un moment où vous mettez un peu à l'écart, finalement, toute la documentation que vous avez ah oui, pu surtout, amasser pour ne pas être écrasé aussi par Surtout, elle. je n'ai pas euh, les, les, les archives de la BNF euh, ouverte, Biotech nationale, nationale, ouverte euh, devant moi, quand je, ou les, les registres que j'ai pu trouver du 18e. Je n'ai rien du tout. Peut, je peux avoir un, un plan de bateau. Je peux, parce que ça, c'est ça inspire euh, ça inspire mais... ou ça contraint parce que le bateau il fait de mémoire 35 mètres de long, oui. 8 mètres de large voilà. et ça va être l'un des lieux du, du roman ouais. alors qu'il arrive assez ouais. tardivement mais c'est quand même un des lieux où, dans lequel on vous coincez un peu tous vos personnages oui, oui. alors ça j'aime bien ça c'est un huis clos, il y a une bonne partie heureusement un peu d'air on va parfois ailleurs mais, mais c'est une bonne partie dans ce bateau et ça c'était Très acrobatique, de faire vivre, de mettre sous tension, bon, c'est très important. Je j'écris du thriller vraiment. C'est comme ça que, que j'aime écrire. Et donc euh, je veux du mystère, je veux de. Et donc comment faire que qu'une partie du bateau ignore ce que c'est une autre Comment ça, ça a été une un, un, un jeu de puzzle qui me qui m'a qui m'a qui m'a passionné à, à faire. Mais c'est vrai que c'est un c'est un tout petit espace. Vous avez dit en mettre parce que je voulais. Que, je, euh, Plusieurs fois, je peux. mettre dans le Voilà, quand on dit, quand on, quand le, les correcteurs s'emparaient de mon manuscrit à la fin, les dernières corrections, on donne à, à des dragons qui sont les correcteurs, et euh, ils revenaient vers moi un peu fièrement en disant :« Le maître est apparu seulement quelques années avant. » Bon, et j'ai dit. Mais je le sais, sauf que moi, je n'en peux plus qu'on me dise que fallait neuf pieds carrés pour justement pour ou trois esclaves par bon non, je veux qu'on se rende compte vraiment ce que c'est. Je veux dire 70 cm et pas deux pieds parce que c'est parce que je veux qu'on se rende compte de la, de, de, des distances. Et donc, je, je, je triche en utilisant cette, cette métrique interdite. Quelques anachronismes, mais ouais, à partir du voilà. moment où ça ne ouais, déforme ouais, pas la réalité. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Dans, dans, ça, ça avait commencé mes, mes, mes trahisons, là, mes hautes trahisons de la réalité. Dans Van Gogh, où j'ai mis un, un, en 1934 un sonneur de cloche à Notre-Dame, alors qu'il y a une électrification de, des cloches en, en deux ans. Plus tôt, mais euh, j'avais besoin de mon Quasimodo dans mon histoire. Effectivement, effectivement. Vous avez dit la complexité justement de tous les personnages, parce que notamment sur le bateau, une partie ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté du bateau, mais là vous êtes rajouté quand même des difficultés à la difficulté. C'est-à-dire que les principaux personnages que l'on va suivre, Alma, Joseph, le capitaine Gardel, mais aussi le cuisinier Cook, oui. le cuisinier s'appelle Cook, oui. euh, le charpentier Haute. tout le monde a finalement un but euh, avoué et un oui. but qu'il cache. Il cache, cache. oui. Ouais, ouais, chacun a, tout à fait. a une double facette. Ses... Double et pourtant, je peux vous dire, je ne travaille pas comme avec des, des, des leçons de construction scénaristique quelconque. C'est simplement, pour qu'un personnage existe, il a besoin de cette face cachée, de cette face visible. Je n'arrive pas à créer un personnage secondaire. C'est mon drame. C'est mon drame. C'est-à-dire qu'un personnage secondaire j'ai besoin de le rendre principal j'ai besoin qu'on s'attache à lui ou qu'il qu'il ait une complexité et donc c'est vrai qu'ils ont ils ont tous ces, ils ont tous un, un destin puis alors là c'est le lecteur en moi je, 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 je n'aime que ça dans, dans ce que je lis c'est vraiment c'est la complexité et les jeunes lecteurs, une telle familiarité avec la complexité alors c'est pas en ce moment en plus qu'on peut, on peut cacher aux, aux jeunes lecteurs cette complexité du monde ils, ils la vivent complètement ils, ils ont 500 amis sur Facebook ou sur Instagram euh, euh, je vous mets au défi nous autres qui avons été enfants sans, sans les réseaux sociaux combien d'amis on avait, on les comptait sur les doigts de deux mains euh, donc il y, y a cette, cette familiarité avec la complexité ne font, fait pas peur et les seuls lecteurs qui se, qui se perdent parfois un tout petit peu dans mes livres sont souvent euh, au-dessus de, de 35 ans. <laughs> Bon, j'ai plus, mais je ne me suis pas perdu. <laughs> je crois, en tous les cas. Parce que, aussi, c'était important pour vous, avec cette complexité, finalement, de donner. Quel... Enfin, ils sont tous gris, finalement, vos personnages. À part, peut-être, Alma, qui est celle ouais. qui est la plus pure voilà. de, de tous. Ouais. Mais euh, ils sont. Même le terrible Capitaine Gardel, bah, il fait preuve, finalement, d'une once d'humanité quand il décide de conserver Joseph et pas de le lancer ouais. à la, ouais, ouais, à, dans ouais. l'océan ouais. parce ouais. qu'il est, qu est monté par effraction et qu'il a, en plus, pénétré ouais. dans sa cabine. C'était ouais. ça aussi. L'enjeu, c'est que tous sont sur la zone grise, même le père d'Allemand apprendra oui, ce qu'il a fait oui, avant de se ouais. cacher dans la vallée. Oui, euh, ouais, c'est toujours euh, ce... se rapprocher de, de l'humain hum... euh, et que ces parts d'ombre et des lumières sont là. Alors je... euh, ensuite, dans la description de, de ce qu'est l'esclavage, je crois que je. Je n'ai pas trop d'illusions sur qui sont les responsables, quand même. Euh, donc c'est, mais je montre comment euh, comment tout ça, oui, comment tout ça se passe dans dans, dans il oui, n'y a que ça qui est intéressant dans la littérature, c'est d'aller dans les, les, les dans dans toutes les parties du, du cœur humain. Une question sur les noms et prénoms que vous avez choisis quand même, Timothée Fombelle, pour vos personnages. Je vais en citer quand même quelques-uns. On a parlé euh, de Joseph. Ouais. Son famille, c'est Mars. Donc déjà, ça impose niveau mythologique et niveau biblique. Le prénom du capitaine Gardel, c'est Lazare. On y rencontre un maître d'équipage qui s'appelle Absalon, c'est le nom de l'un des fils du David de la Bible. Oui, oui. Le chat du cuisinier Cook, je l'ai dit, s'appelle Hercule. Le prénom du fameux pirate, c'est Luc, comme l'évangéliste. Oui. Et ça a ça aussi a un, un rôle. rôle très très important dans la quête du trésor. Son navire était nommé l'hydre, donc là ça oui, renvoie oui. à nouveau à, à, au mythe. Et oui, puis on peut continuer comme ça. Le nom du comptable, c'est Saint-Ange. Oui. Euh, Alma, ça signifie liberté. On apprendra que son père, son... Son premier nom, c'était Moïse. Ça revient oui, à, oui. à la Bible et à ouais, l'eau d'ailleurs, à l'origine. Les premiers captifs qui montent sur le bateau sont rebaptisés par euh, les membres de l'équipage Adam et Ève. Pourquoi ouais. ces doubles références aussi importantes, à la fois bibliques et mythologiques, pour caractériser vos personnages Alors il y, y a quelque chose de culturel dans, dans, y a vraiment dans, dans cette époque du XVIIIe siècle, et en particulier dans ces, ces, ces milieux de, de la, de, des marins extrêmement mélangés de il y a beaucoup d'anglais bah c'est un anglais mais euh, euh, qui est qui est un, un libre de couleur comme on dit à ce moment là euh, qui voilà qui est descendant de, 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 de mais euh, qui a été libéré il, y a, il y a, bon il y a, il y a vraiment une sorte de marché que je fais. Alors ensuite, il y a des raisons parfois euh, euh, d'histoire. Effectivement, l'hydre ou Hercule, euh, tout ça, c'est effectivement la, la mythologie. L'hydre euh, de Lerne, l'hydre, c'est le bateau de, de, de Luc de Lerne, ce pirate. Et puis, euh, ensuite... Je pense qu'il y a quelque chose. Alors c'est vrai que moi, je, bon, je m'appelle Timothée euh, et euh, j'ai un frère qui s'appelle Jérémy, un autre qui s'appelle Nathanaël. Oui, donc Voilà, il y a quelque chose. comme <laughs> Ça, un, un, petit héritage, peu, ouais. un petit peu. Il y a probablement un passif là, sur ces ces noms-là. Euh, et ensuite, il y a des choses, plein de choses cachées toujours dans, dans les noms. Par exemple, Mars, on va découvrir, mais je crois qu'on le découvre dès le, dès le premier tome. On va découvrir que s'il s'appelle Joseph Mars et qu'il est, qu est arrivé euh, un 19 mars dans une. Euh, dans un orphelinat, euh, et c'est le jour de la Saint-Joseph, et qu'on lui a, on lui a donné ce nom-là, comme on faisait souvent, en prenant le, 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 le nom, le, le saint et le, le nom du, jour du le et, nom, et le ouais. nom du mois. Euh, mais à, à chaque fois, j'ai mes petites raisons qui parfois sont intimes, qui parfois sont, euh, euh, c'est, c'était, c'est très important. Le moment où je donne leur nom au personnage, je je parlais tout à l'heure du personnage d'Elisha, de, euh, C'est qui est le personnage féminin dans Toby Lölnäs, mon premier premier roman. Je l'avais, j'avais, faisais un travail sur euh, euh, sur le Carnaval des animaux. À ce moment-là, j'avais décidé de partir de de, de l'arche de Noé et je suis tombé. Donc j'étais dans la, la Genèse et je suis tombé dans la descendance de Noé. Et dans la descendance, il, il y avait Elisha y avait qui d'ailleurs était un, un garçon. Et, et voilà, je pique ce nom. Donc on fait son marché pour les noms absolument partout et euh, et, et, et et C'est un des grands plaisirs de l'écriture. C'est quelqu'un me disait récemment. c'est vraiment quelque chose de, de euh, qui m'a qui m'a frappé un peu euh, euh, qui, qui, qui m'a ouvert les yeux. Je, je suis plutôt d'une famille d'une famille nombreuse, comme je vous l'ai dit. Je et j'ai qu'une fille, euh, Jeanne. Et euh, et elle... aussi significatif. Oui aussi aussi. Et puis ça il n'y a pas une génération, il y en a pas. Je pense dans, dans depuis 1000 ou 2000 ans. Euh, et et, et, et donc et, et comme par hasard les autres mes livres s'appellent Toby Alma Van Gogh qui s'appelle euh, 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 Rosalie s'appelle et, et qui m'a dit mais c'est tes autres enfants enfin c'est cette c'est cette famille nombreuse que tu n'as pas et je pense qu'il y a ça je donne des noms de personnages aux livres parce que c'est un réservoir ce nom tout est là. Alma, je n'arriverai pas à trouver, j'arrive à donner un sous-titre, Le vent se lève, ou L'enchanteuse pour le deuxième tome, mais je arrive, n'arriverai pas à faire tenir dans un titre qui serait pas un nom. Euh, un peu comme dans, dans Le petit prince, quand, quand le, le, le pilote dit à, à, au, au petit prince, euh, finalement, n'arrivant pas à dessiner ce, ce fichu mouton, dessine une boîte et dit voilà, euh, Voilà la boîte, ton mouton est dedans. Et enfin, le petit prince, prince se penche sur le dessin et dit :« C'est exactement comme ça que je l'imaginais. » Et c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, quelqu'un, alors c'est évidemment des enfants de des lecteurs d'une classe de sixième qui avaient créé un, des choses à partir de, de boîtes sur mon roman Toby l'olness Et j'ai dit :« Pourquoi des boîtes ?» Il y en a un qui allait au, au tableau et il a écrit Toby et il a écrit en dessous boîte. Et c'était un anagramme parfait. Et Toby. C'est un premier roman, c'était c'était un coffre-fort, c'était une boîte, c'était le, le, le réservoir dans lequel je, je vidais ma vie, les 33 premières années de ma vie. Euh, et, et Alma, c'est un, une petite boîte très précieuse euh, qui vient se poser à côté de, des autres. Et puis très différente aussi par. Euh alors pour plein de raisons, mmh. euh, parce que d'abord c'est une réalité, c'est moins le monde de l'imaginaire avec ouais. ses petits, les petits personnages ouais, voilà. Euh, voilà, dans notre nature euh, ordinaire, mais aussi parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même le côté très violent, le côté ouais. très euh, brutal de mmh. cette histoire ouais. de, de, de l'esclavage. Est-ce que là aussi il y a eu euh, des difficultés parfois ou est-ce qu'il y a eu des, des questions que vous vous êtes posées durant l'écriture ou que vous posez durant l'écriture ah oui du second oui. Jusqu'où Aller pour ah, raconter. Oui. On sait que par Gardel, je l'ai dit tout mmh. à l'heure, il faut être inhumain pour faire avancer ouais, un ouais, bateau. Ouais. En tout cas, c'est sa conception. Ouais. Il dit aussi à l'un de ses matelots que très vite, il va faire du mal à l'un des captifs pour calmer tous les autres. Ça, c'est ouais. du langage. Mais parfois, il faut aussi décrire des, des scènes. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est un, un équilibre un Équilibre qui est, qui est très 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 délicat. Qui est très délicat. Euh, le principe dont je parle, c'est vraiment de me dire ça ne me sert à rien de décrire la vérité si personne ne la lira. C'est-à-dire que dire jusqu'au fond la, la, la cruauté absolument inhumaine, euh, si finalement mes lecteurs, et en particulier mes jeunes lecteurs à qui je veux raconter cette histoire, euh, ne sont plus là parce que tout simplement c'est inhumain, c ça ne m'intéresse pas. Donc, mais mentir jamais. Donc, comment dire, -dire comment dire la vérité je, Vous voyez, je, je réfléchis. Il y a, a peut-être trois petites choses que j'ai pas dites, que j'ai pas dites volontairement. Ensuite, naturellement, je vais vers des. Je pense à une chose, c'est dans un, un, un récit euh, euh, de, à, que j'ai trouvé sur, dans des archives de, de, du Cap Français à Saint-Domingue. On parle du fait que deux jours avant l'arrivée des navires, on sent l'odeur de mort de ces navires qui, quand, quand le vent est, est porteur. Ça, j'étais incapable de le, de, le, de, le, de, de, le, de le mettre dans, dans le bateau. Mais de le savoir, ça m'habitait dans ma description. Donc il y a des choses... C'est la question dans le premier tome de l'odeur. Oui, oui, il y a quelque oui, tout à fait. J'en parle, mais je ne dis pas cette chose-là, cest qui est, qu est présent On ne voit pas le bateau, mais, mais il est... Mais, mais c'est absolument... C'est quelque chose de, 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 de monstrueux, de, 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 de cette, ces, ces, ces prisons, ces bagnes flottants qui, qui traversaient l'Atlantique. Euh, voilà, donc je, je, il y a... J'ai l'avantage d'être toujours à travers les yeux et très librement parce que c'est une narration omnisciente où je choisis ce que je sais, ce que je ne sais pas, je me glisse. Alors ça vraiment, c'est le bonheur du récit d'aventure, c'est de pouvoir choisir ce, par quels yeux on regarde chaque chose. Et j'ai eu, eu très peur. Jusqu'au moment, jusqu moment où je m'y suis mis et où j'ai vu qu'il qu y avait cette possibilité de, de dire, je sais pas, je pense au moment de l'arrachement au continent africain. cest dire ce moment où, 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 où on essaye de faire monter dans les, dans les pirogues euh, ces esclaves enchaînés, ces captifs enchaînés pour les faire aller vers le, le navire qui est derrière la barre à 100 ou 200 mètres plus loin et, et où ils essayent de toucher, de garder le contact avec le sable. Et en fait, dans ce ce, cette déchirure là, de ce moment, je pense que je fais, je fais sentir des choses. Euh, voilà. Mais que vous faites aussi euh, parfois euh, évoquer. C'est un roman de point de vue. C'est-à-dire que vous le décrivez, mais parfois ça peut être aussi raconté par d'autres personnages. Oui. C'était aussi pour ça qu'il vous fallait un personnage comme Joseph qui, euh, parfois, va avoir un autre point de vue, un autre regard sur oui. l'histoire. Mmh. Finalement, il raconte à cruauté, mais sans la montrer. Sans... Oui, oui c'est vrai. Et avec le. le avec le côté aussi sur lequel je m'interrogeais tout le temps, qui était quand même tout à coup quand j'arrivais du côté du pont supérieur, j'étais bien dans mon élément. Voilà, je, le, des personnages hauts en couleur, euh, euh, paradoxalement alors qu'ils sont blancs comme, le, <laughs> comme des navets, euh, sauf Cook. Euh, des personnages, voilà, des, et, et par rapport à ce qui est vécu euh, sous leurs pieds, euh, sous le, le plancher. Euh, et, et donc là aussi, je, je fais je attention. Il je, je, y a un moment où je décris une messe de minuit à La Rochelle en, 13, en 1786 euh, de Noël. 1786, 1986 et, 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 et là euh, ah, je, je me trouvais bien dans, mon, bien dans mon ambiance avec ces gens ces femmes bien habillées qui, qui allaient à la messe de minuit et, et donc toujours je, je me disais comment faire vivre euh, aussi ce pont inférieur comment voilà et l'Afrique aussi toute la partie qui se passe en Afrique comment la mettre sous tension et comprendre et, et que c'est tout sauf une une, une un, Juste un territoire euh, euh, sans lieu. Voilà, quand je parle du royaume de Boussa, au bord du fleuve Niger, où il y a toute une partie qui se, se, se passe, euh, ça a été passionnant de rentrer dans cette cette culture là de cette de cette région du du, du en amont du du, du Niger. Euh, voilà. C'est comment? Et ça, c'est mon statut de raconteur d'histoire blanc. Des années après, des années, des années après, euh, euh, me met à l'affût pour, pour, pour une sorte de vigilance qui me, qui me stimule énormément dans le, dans le dans le travail, vraiment dans le travail, euh, et ensuite dans gommer le travail parce que vraiment je veux je veux pas qu'il y ait de la sueur sur l'encre voilà <laughs> absolument vous avez parlé justement du des membres de l'équipage qui sont tous hauts en couleur sont tous des ouais. individualités ouais. il y a quelque chose de paradoxal effectivement quand on est sur le bateau ou à part Alma et quelques-uns finalement tous les captifs c'est une masse ils ont perdu leur ouais. individualité alors que quand vous les racontez encore sur la côte africaine ouais. on découvre des personnages les voilà. uns après les autres c'était ouais. volontaire aussi ça pour montrer c'est une des dimensions finalement de l'inhumanité c'est qu'on leur retire leur ah oui. identité mais on leur retire aussi leur singularité fait. parce que vous, vous attachez davantage au, à qui ouais. est Cook à qui est Gardel voilà, voilà. à qui est le charpentier voilà. ils ont ils, ont, euh, ils vont d'ailleurs ces personnages euh, quand ils Quitte l'Afrique, ils vont avoir deux ou trois noms euh, euh, et ils changeront peut-être de nom encore deux ou trois fois en, en changeant de propriétaire. Donc il y, y a cette, cette, cette idée de l'anonymat et quelque chose. Alors ensuite, je veux faire sortir petit à petit justement cette femme que les Blancs appelaient Eve euh, et dont je refuse de dire qu'elle s'appelle Ève parce que c'est le nom qu'on lui donne. Et, euh, et on va découvrir qu'elle s'appelle Umna en fait. Et, et bien, ce personnage-là, voilà, je fais exister. Dans, dans, les, dans les ténèbres, j'essaie de faire exister ces individualités. Le... C'est elle qui dira ce que je disais tout à l'heure, au tout début, que voilà. la mémoire, il ouais. faut la conserver. Oui, exactement. Est, qu que Alma va être, va, va être cette, cette mémoire. C'est cette pour la mémoire. Voilà, Ouais. Donc, c'est vrai que je... Mais c'est... Une... C'est un point de méfiance aussi de, de, de mon côté sur justement euh, 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 qui est pas que cet anonymat si justement Alma à un moment descend dans Descend dans, dans, dans la cale et, et y vit, c'est justement pour tout d'un coup mettre en lumière des personnages, les dialogues qui se passent ici. C est, c est, c est comment, comment on dialogue même des deux côtés, des deux côtés entre les hommes et les femmes Il euh, y, y a tout ça qui, qui se passe. Et puis, euh, c'est euh, quand même mon. Euh, le, le, la conscience d'Alma, elle le dit à un moment à Joseph sur le pont elle dit, euh, cette fille-là, peut-être qu'elle. Et la veille du moment où elle a été prise, elle avait un rendez-vous avec un amoureux au bord de la rivière. Chacun a une histoire, c'est ça mon, la, ma motivation dans, dans cette écriture, c'est toujours rappeler les individus. Là, là, on a toujours, justement, on dit 14 millions. Enfin bon, les chiffres sont compliqués à dire, mais disons 14 millions de personnes euh, euh, déportées vers l'Amérique. Mais ce chiffre, ce nombre-là n'est pas, ne dit pas les 14 millions de vies juxtaposées, de 14 millions de, euh, de noms tendre donnés par une mère, 14 millions euh, de destins, de, destin, de, de passions, de, et ça c'est ce que je veux faire re, re, ressortir. Puis On le voit un petit peu déjà dans ce roman là aussi où ils sont pas tous à la même place, ces captifs. Vous avez dit, il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sauf qu'il y a un tiers lieu, il y a un troisième ouais. lieu, puisqu'on apprend, mais ça on le sait assez tôt, je peux ouais. le dire, qu'il ouais. y a des esclaves qui sont réservés aux au capitaines. Oui, Pour mais raison, voilà, hein voilà. Bah, c'est en fait, on parle souvent de pacotille en croyant que c'est juste des, des, des biens de, de peu de valeur, mais la pacotille, c'est un nom technique vraiment. Dans la, la... c'est les c'est ce que on attribuait en guise de prime à certains membres de l'équipage qui pouvaient acheter avec leurs propres économies et qui pouvaient ensuite, donc sur des esclaves souvent, en leur nom et qui pouvaient revendre alors parfois ça pouvait être des biens il va y avoir aussi des défenses d'éléphants qui vont être achetées et puis ce qu'ils pouvait qu pouvait revendre en arrivant sur la côte ou bien en arrivant sur la côte des, dans les îles ou bien en arrivant même en, de retour en, en France et voilà et donc ça c'est ça crée aussi une complexité dans les les rapports et d'ailleurs c'est c'est. Euh... Oui, ça, enfin, je ne veux pas en dire trop, mais ça, ça jouera un rôle très important dans la suite. Ouais. Eh bien oui, parce qu'il y a une suite et il y en aura même deux, puisque là, c'est une trilogie, ce dont vous n'avez pas habitué jusqu'ici, du motet de c'était... Pour quelles raisons C'était une évidence pour vous que le format d'un volume ou deux volumes, c'était finalement trop petit, trop serré pour ouais, déployer cette ouais. histoire Oui, c'était. Euh... Celui-ci, c'est aussi hein, une sorte de. une sorte de. d'hommage à à l'importance, disons, par rapport à mes autres romans, à l'importance de, de ce que je raconte et des vies qui sont derrière ce que je raconte et auxquelles je dois complètement le, 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 le droit de raconter cette, cette histoire. Je voulais surtout... Il y allait vraiment largement, euh, largement, donner, donner, donner. Euh, et, et, et la, la période euh, qui s'étale de, de, de 1786 à 1792, euh, pour la fin du troisième tome, euh, permettait de, de, de faire ces tranches-là. Euh, tranches euh, moi, je suis à feuilletoniste depuis toujours. Je suis vraiment quelqu'un qui, qui raconte des histoires au long cours, même si je me suis essayé à des formes brèves, à la chanson, à, des, à écrire des... Et j'adore ça. et et je trouve ça très reposant, mais c'est vrai que peut-être mon petit savoir-faire, parce que c'est ça dans cette littérature jeunesse, il y a une part d'artisanat complètement, il y a une part de savoir-faire simplement, il y a une part, il y a une sorte de modestie du, du travail du, du, du compteur, et, et, et peut-être que ce que je sais faire. À, à un peu particulièrement euh, dans, dans ces, ces sont ces histoires au long cours et finalement depuis euh, le livre de perles que j'avais publié en 2014 j'avais pas publié ces grandes histoires j'avais fait une, un album de bande dessinée j'avais fait un, un livre disque euh, j'avais fait Georgia... Euh, Toby, c'était vos premiers romans ça date il y a oui, 10-15 ans déjà oui, hein. oui, oui, 2006 2006 2007 et Van Gogh 2010 euh, voilà mais donc si je prends mon temps ça c'est aussi là je, je c'est des années de, de, de travail et et ça c'est euh, oui, cette particularité de cette, euh, cette littérature euh, jeunesse qui qui fait qu'on cherche là où là où on, on sait être utile et, et les, en l'occurrence moi c'est sur ces histoires au long cours construire des destins des intrigues à, voilà où normalement on, on ne lâche pas trop le, le livre et, euh, et d'ailleurs c'est intéressant parce que chacun de mes livres à ce moment j'ai Toby Van Gogh et Alma qui sont chacun dans les mains de, de gens du côté de l'audiovisuel, parce que ce sont des, des tuyaux dans lesquels ils ont besoin d'histoire, ils ont besoin de glisser. Donc euh, ces trois romans ont, un, ont des projets plus ou moins avancés à chaque fois, mais euh, du côté de, de et du côté beaucoup de la série, parce que quand même euh, c'est c'est ouais, voilà exactement. Ouais. Bah, C'est peut-être pas pour rien alors que vous parlez d'audiovisuel puisque ce sont des romans qui produisent aussi euh, des images. Il y a euh, François Place qui vous accompagne pour les illustrations, qui vous accompagne déjà dans euh, les histoires de, de Toby Lollness. Euh, je peux peut-être en montrer une ou deux, je ne sais pas quelle, quelle caméra, peut-être celle qui est derrière moi. Pour quelles raisons avez-vous euh, choisi, voilà celle qui est devant moi du coup, pour quelles raisons euh, avez-vous choisi que ce roman il soit accompagné alors, c'était pas accompagné d'images à n'importe quel prix. C'était vraiment si François Place, euh, qui est un, un compagnon de route, dans, effectivement, depuis Toby Loulness, mais qui est avant tout un, un, un talent extraordinaire. Et, et ce que moi, quand je vous dis que j'écris quand même avec parfois un plan de bateau devant moi, lui, c'est à, à main levée, qui fait des, des navires du 18e. Il est né là-dedans, depuis qu'il a 7 ans, il dessine des, des, des bateaux, parti en particulier, et, et puis il dessine bien d'autres choses, évidemment. Euh, et euh, c'est un... Son dernier album, Rois et Reines de Babel, qui est sorti à, à l'automne, est une splendeur, il y a des grands, grands albums comme ça, avec des illustrations somptueuses autour de, autour de Babel, de la vraie histoire de Babel, et, et des rois et reines qui ont, qui ont régné. Et donc je voulais, voulais qu'il y ait des images. Pour. Euh, euh, parce que je trouve que c'est. Je, je trouve quand quand il y a un vrai créateur qui s'en empare, c'est remettre une couche de, de, de création dans, dans une œuvre et quelle chance de ne pas être tout seul dans une aventure comme ça. Euh, je voulais que ce soit lui parce qu'il fait des dessins. Ces dessins à l'encre, là, euh, et au lavis. Qui, sont, qui, qui, qui ne contraignent pas l'imaginaire, qui laissent ouvert l'imaginaire. Et à aucun moment, je lui ai dit Ah non, 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 tel personnage n'est pas du tout comme ça. Euh, à chaque fois, il y a, y a la marge de liberté pour le lecteur d'imaginer autre chose, complètement intemporel. Ces dessins, on ne peut pas savoir si c'est euh, si celles sont du, du 19e ou, ou d'aujourd'hui. Euh, voilà c'est j'adore ça dès que je peux dès que je peux collaborer parce que c'est un travail très très solitaire l'écriture dès que je peux me enfin éclabousser mon livre du talent des autres je le fais c'est pour ça que je parlais d'un livre disque que j'ai fait avec des musiciens euh, j'aime bien ne pas être tout seul parce que c'est un travail très très solitaire euh, l'écriture voilà, je montre là une, une image et euh, le monsieur que vous voyez tout en haut, c'est euh, Mozi Moïse, voilà, euh, voilà. le père euh, d'Alma. Une dernière question, euh, Timothée Fambel, qui, euh, bah, si ça avait été votre premier livre, en 2006, je ne l'aurais probablement pas posé. Sauf qu'on est en 2021. Ouais. Que l'histoire de l'esclavage, c'est compliqué. Elle est compliquée à, à, à raconter. Alors j'avais cette question avant de connaître oui. la réponse. Oui. Je suis allé voir oui. sur Internet, donc oui. je connais une partie de, oui. de la réponse. Mais euh, vous savez qu'il y a aux États-Unis, et c'est important en France, des polémiques sur le fait de ce qu'on appelle l'appropriation oui. culturelle. Ou quand des auteurs... Parce que vous avez dit tout à l'heure, oui, hein, oui. moi, auteur, homme blanc, qui raconte oui, oui. Voilà. cette histoire euh, des, des Africains. Oui. D'ailleurs, ça s'est euh, répandu parce qu'on l'a vu au mois de mai dernier avec le déboulonnage oui. de deux statues de Victor Schulcher, donc l'homme politique qui a porté l'abolition en France en 1848, les manifestants qui ont fait ça lui ont reproché tout simplement de ne pas être de leur, de leur couleur et de leur côté de l'histoire. Ils auraient préféré plutôt un, un esclave qui se serait rebellé. Comment est-ce que vous avez pris ça en compte, ce terrain sur lequel vous arrivez Alors, qui joue surtout sur vos... l'impossibilité pour vous de faire que ces livres-là soient lus, du coup, aux États-Unis et en Angleterre Alors, euh, oui, c'est un, un sujet. Euh, je, je savais que c'était un sujet délicat. Il euh, euh, y a eu euh, des rebondissements autour du livre au moment de la sortie parce que. Euh, un éditeur anglo-saxon qui avait publié tous mes livres ne voulait pas le publier pour ça pour des, des raisons d'appropriation de, culturelle Enfin, l'idée en tout cas qu'il ne voulait pas euh, ajouter une voix blanche euh, au récit euh, euh, qui a déjà été toujours fait par les, souvent fait par les blancs de l'esclavage et, et ça c'est des questions qu'évidemment je m'étais posé mais que j'avais dépassé parce que c'était plus fort que moi parce que je voulais raconter cette histoire je n'avais pas l'impression de prendre des risques énormes et j'en prends pas. Je ne voilà, suis pas du tout un héros ou quelqu'un qui, qui est censuré par quiconque, mais c'est vrai que c'est c'est très délicat euh, ça a plutôt musclé mon, mon écriture c'est à dire qu'à tout moment j'avais cette vigilance là euh, qui était euh, tout sauf une autocensure ou tout ce qui était simplement d'être le plus juste par rapport à moi ma, 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 de comment je voulais raconter cette, euh, cette histoire euh, finalement euh, ça a Pas été cet éditeur, finalement, un autre éditeur anglo-saxon s'est jeté sur l'île livre et il va, il va paraître, ouf. Ouf, il va paraître en, en Angleterre. Alors là, je comprends les débats, je comprends, cest il, il y a des questions puisque ça a été mes questionnements et je vous les ai dit même là tout à l'heure sur cette question de cette histoire racontée toujours par les, les registres, les livres de bord, etc. Et donc, mais ensuite, je ne ne pouvait pas imaginer, ne pas raconter cette histoire et attendre, comme je le fais depuis 30 ans, qu'un livre la raconte de, de cette manière-là et qui, et qui et voilà et qui aurait été et je suis bien d'accord qu'il y aurait quelque chose de magnifique que ce livre soit écrit par, par un Afro-descendant, on va dire. Euh, je trouvais ça. Mais il se trouve que voilà, il se trouve que je suis qui je suis donc je, je, je fais avec ce que je suis et le, le mieux possible et euh, et voilà, et les rencontres que j'ai avec des lecteurs de toutes les couleurs et avec me touchent énormément, ou avec des historiens aussi. J'ai une très belle rencontre avec Papendiaï sur autour justement de, de ce, ce, ce livre et autour de raconter comment raconter l'esclavage, de tout à fait ce qu'on se dit aujourd'hui. Et, et tout ça me fait penser que j'ai bien fait la fameuse phrase tous pensaient que c'était impossible, ou dans mon cas, c'est plutôt tous pensaient qu'il valait mieux pas le Faire, vint un homme qui ne le savait pas et ce fut fait. Et voilà, je pense qu'il y, y a cette petite inconscience. Et puis, je pense que je l'aurais pas fait si c'était pas dans cette planque, dans cette cachette là qui est la littérature jeunesse qui... Oui, ça expose moins. Ça, voilà, ça expose beaucoup moins et donc je peux raconter des histoires qui touchent quand même énormément de monde, qui euh, voilà, qui voyagent et qui sont. J'ai la chance que mes livres soient traduits un peu partout, mais euh, de manière plus discrète, sans qu'on parle tellement de nous auteurs, euh, voilà. Donc, euh, à part cet éditeur anglo-saxon qui n'a pas voulu vous publier, oui, a ça, pas eu aucun problème. J'ai pas, j'ai pas de, j'ai vraiment pas de problème ou des peut-être des micro petits mondes qui, qui, qui n'aiment pas cette idée. Mais, moi, genre, je trouve qu'on a le droit de pas aimer ce livre en tout cas. Et il se trouve que là, c'est pas tellement de pas aimer le livre, c'est pas aimer de la, de... la démarche. Ouais. Voilà, parce que j'aime, j'aimerais bien qu'on critique de l'intérieur le, le livre. En, euh, ça, ça serait plus fort. Mais voilà, je, vraiment, je ne me sens pas, pas, pas victime de grand-chose. Voilà, s'appelle Alma, le vent se lève, c'est donc le premier tome de votre trilogie paru chez Gallimard Jeunesse à lire à partir de 11 ans et donc jusqu'à pas limite d'âge. <laughs> Merci beaucoup Dimothée de Fombelle. Merci à vous vraiment pour cette rencontre. Merci à vous et puis donc bah, si vous avez aimé cette conversation n'hésitez pas à la faire connaître autour de vous et si vous nous regardez pour la première diffusion c'est-à-dire le samedi soir rendez-vous demain pour la suite du festival Jardin d'hiver. À très bientôt.